J+7 revient avec l'actualité de la semaine du 12 décembre à la CTM. Une semaine qui a commencé avec le premier conseil d'administration de Martinique Transport. Pour bien comprendre, c'est une autorité organisatrice de transport unique qui permet d'adapter et de fixer les règles de ce service public et aussi de définir le nombre de ceux qui le feront fonctionner. Le transport fait aussi partie des sujets abordés lors du lancement de Interreg 5 qui s'est déroulé à Sainte-Lucie du 14 au 16 décembre. Interreg Caraïbes est un programme de coopération interrégionale européenne permettant aux opérateurs de Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin de mettre en œuvre des projets gagnant-gagnant avec leurs voisins de la Caraïbe, soit plus d'une quarantaine de pays et de territoires. Le président de l'exécutif Alfred Marie-Jeanne s'y est rendu, une occasion pour lui de défendre les relations qui existent entre la Martinique et la Caraïbe, et plus particulièrement avec Sainte-Lucie. Autre temps fort de cette semaine, la séance plénière sur deux jours où a été voté le budget primitif. 1,1 milliard d'euros, ce sera le budget de notre collectivité et les priorités seront données à l'éducation, la formation et l'aide sociale. Cette fin d'année rime avec la consana présidentielle. Jean-Luc Mélenchon a été reçu par Alfred Marie-Jeanne ce vendredi 16 décembre. Le candidat à la primaire socialiste lui a présenté son programme au travers d'un livre intitulé « L'avenir en commun » dans lequel se trouve un livret consacré à l'outre-mer. C'est déjà Noël pour les enfants de la CTM. La collectivité leur a offert un arbre de Noël à la hauteur de leurs rêves, transporté par le spectacle « Tic Créole ». Encore une semaine riche en événements, J+7 vous dit à la semaine prochaine.